Donc, Florine. Hey, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog en Belgique. Donc là, on va aller à The Smurf Experience. Donc au Schtroumpf, en fait, c'est une exposition sur les Schtroumpfs. Et donc c'est parti, on va d'abord aller dans le taxi, ensuite on y va. Oui. Et donc là, on est parti déjeuner. Donc on vous montre un petit peu tout ce qu'il y a dans l'hôtel pour déjeuner. Donc aujourd'hui, en petit déjeuner, j'ai pris deux tartines. Peut-être après, je prendrai un croissant ou un petit pain au chocolat. De l'eau, on a de la pâte à tartiner. Florine est en train de faire ses deux pains. Bref, ensuite, mon père a pris des fruits avec un pain qu'il a mangé. Et maman a pris des fruits avec un pain qu'elle n'a pas mangé. Et en plus, on a pris un chocolat chaud. Et Florine est un peu énervée parce que son pain a cramé. Donc là, on est arrivé à The Smurf Experience. Donc la Schtroumpf Experience. Parce que j'adore le nom en anglais, c'est trop drôle, n'est-ce pas Flo? Et donc, c'est parti! Donc voilà la Schtroumpf Experience. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était trop trop bien. Je me suis un peu dit dans le vlog, on l'a dit, mais j'ai vraiment adoré. C'était trop cool de voir des petits Schtroumpfs et tout. En plus, j'adore les Schtroumpfs. Donc voilà. Ah bah moi j'ai oublié la décoration. Et donc je suis, dites en commentaire ce que vous pensez. La Schtroumpfette. Attention, dites en commentaire qu'est-ce que Florine va être. Et elle est la Schtroumpfette. On va aller dans la maison. Donc là, on peut pas trop vous montrer parce que ça rendrait pas bien. En fait, on a un casque de réalité virtuelle et puis on voit qu'on est avec des Schtroumpfs et en fait, on vole sur une cigogne. Du coup, là, on mange au restaurant. Je vous mettrai quelque part sur l'écran le nom du restaurant. Et donc, on a déjà pris l'entrée. Donc, on a pris un mix de toutes les entrées. Là on est au plat, donc j'ai pris un cheeseburger simple avec une pomme de terre au four. Florine a pris une portion de frites et voilà le reste. C'est quoi là ta coupe? Enlève-moi ça. Mais non, laisse-moi croire. Là on va partir à une ferme associative. Je vous mettrai le nom quelque part sur l'écran, mais de toute façon toutes les coordonnées seront dans la barre d'infos. Voilà. Regardez, on dirait la maison des Schtroumpfs. Schtroumpfette. Ah là, ça, c'est le grand Schtroumpf. Non, elle est là-bas, la maison du grand Schtroumpf. Et donc, en fait, je l'ai pas bien expliqué, mais le but de cette ferme, c'est que, en fait, ça fasse travailler les personnes handicapées, si je peux dire ça comme ça. Ça les permet de travailler. Et du coup, je trouve ça super cool et ils sont tous super gentils. Yeah.
Là, on est au restaurant et regardez le beurre, on dirait des carambars. C'est trop marrant. Donc là, moi, j'ai pris steak, frites. Florine, que des frites. Mon père a pris un filet américain et ma mère du saumon avec de la purée et d'autres petites choses. Et ensuite, en dessert, j'ai pris une mousse au chocolat. Oui, je l'ai déjà mangée. Florine aussi et ma mère aussi. Et ensuite, moi et Florine, on a pris une petite glace au chocolat. C'est trop chou le petit paquet. On est à Fort Cadeau, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. J'ai pris un chocolat chaud et moi et Florine, on a pris chacun un pastel donator, un truc comme ça. Donc deux au chocolat, trois spéculoos, un pour ma mère. Ça c'est un nature. Là en fait c'est une pâtisserie avec des spécialités portugaises. Et enfin on est allé faire un petit tour à Océade parce que ça va bientôt fermer, franchement c'est trop dommage. On avait déjà fait des vidéos dessus, donc si vous voulez aller les voir, je vous les mettrai en barre d'infos. Et si vous voulez y aller, dépêchez-vous car ça ferme le 30 septembre. Ah oui, parce que là c'est fermé en fait. Bah oui, tu sais il fait d'abord une attraction le truc. J'aimerais bien faire... Tu sais les Français quand ils viennent en Belgique. Ouais. Ça va souvent. Ah oui, c'est chou. Ta-da-da.